Hey, salut les passionnés, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous sommes à Bois-Colombes dans le 92, sur la place de la Renaissance. Voilà. Donc je me trouve pour le rassemblement, gros rassemblement de l'association Rassemblement Mobilette et Solex Bois-Colombes. Voilà. Donc le R3BC. R3BC maintenant pour le diminutif. Donc la météo n'est pas vraiment au rendez-vous pour l'instant, tu vois, c'est très gris. Pour l'instant il ne pleut pas. Sur le trajet entre chez moi et ici à Bois-Colombes, j'ai eu des petites avances très partielles, mais à part ça, ça va. Et puis je vais te montrer les mobilettes qui sont présentes. Et comme à l'habitude, comme l'année dernière, on va faire une petite balade. Alors pour la balade, ce qui va être bien, on va aller en direction du château de Versailles, voilà, le fameux château de Versailles. Donc je vais te montrer cette journée, et puis d'abord je vais te montrer les mobilettes pour cette matinée. Allez, on continue. Bon, voilà les passionnés, je te fais le tour des machines qui sont en exposition, voilà. Donc un Solex 2200 en plus qui est à vendre, voilà, 350 €. C'est un tarif honnête, voilà. Tarif honnête, encore un 2200, mais celui-là non, son jus, voilà. Une Peugeot 102. Je vais déjà rouler sur ce type de Peugeot 102, voilà. 102 SP. Nous, à l'époque, c'était il y a 20 ans, dans un camping, j'étais polyvalent entretien, et il y avait une mobilette pour se déplacer dans le camping, c'était une Peugeot 102 SP bleu, voilà. Voilà. Une 103 SP spécial road trip. Alors lui, il est bien équipé pour le road trip, voilà. Une moto bacon. Hop, il n'y a pas la fiche cinétique. Ah voilà, 3800 Apex édition Roland-Garros, voilà. Roland-Garros avec les petits désirés. Alors celui-là, c'est un phase 2. Il a un gros phare comme les motobécanes à l'arrière. Voilà. Tac. Motobécane 94 CTE. Bon, quand les fiches cinétiques, c'est bien. C'est bien. Tac. Voilà. AU78, les mêmes, mais pas de la même couleur. Bon, celle-là, on sent qu'elle a été refaite. Hein. La peinture est nickel. Nickel, nickel. Je te mets un peu la couleur, différence. Voilà. Nickel. Voilà. J'ai remonté les mêmes, sinon après. Encore une AU78. Voilà. Une AU31 Luxe. Celle-là, tu vois, elle est pas mal avec le carrelage et les accessoires. Voilà. Une AU48, une AV88, voilà. Ah, une Cholon. Tac. Ah, une Duomatique. Voilà. Duomatique. Ah, la fameuse 51 Magnum Liquid Cooled. La jaune et bleue. La jaune et bleue. Une spéciale 50 qui est là, voilà. Une M16 VLC. Alors les M16, la particularité, ah non, le réservoir là, je pensais que c'était un peu comme les M7 qui ont le réservoir sur l'arrière. Ok. Amener 80 AV80 Chaudron, voilà. AV881, voilà. C'est pas ce que je me rappelle. Ouais, ça dépend après. Une M50 EV. Motobécane. Continue le tour des mobilettes. Ah. Une 50 VLC, voilà. Une 103 NVL. Quasi tout chrome. Hormis les bâtons qui sont peints, mais quasi tout chrome. Voilà. Une BB104, ça j'adore la BB104, le style avec les carénages, du rétro-futuriste. Voilà. Une Peugeot 103 Chrono, voilà. Avec une longue selle, voilà. Une 103 MVL, grise et noire, voilà. Soit aussi une MVL celle-là, voilà. Une GT, Derby GT, voilà. Une 50D avec le petit pare-vent, voilà, pare-vent et pare-brise. C'est pas simple de trouver des, tu vois, pare-reflex, voilà. C'est pas simple de trouver des trucs comme ça aujourd'hui, des accessoires comme ça.
une Caddy M1, motobécane Caddy M1, une AV44, celle-là est dans son jus, il y a des points de rouille, celle-là aussi dans son jus, une AU85, une moto confort, voilà, moto confort, une Peugeot 103 SP, blanche et noire, une Milani Carrera, un Piaggio à l'effigie, la série T The Prisoner, voilà, The Prisoner, donc voilà la série T. Un Vespa, mon Solex 5000, voilà, qui est là, que j'avais utilisé il y a une semaine en Suisse, à Allemand. Donc me voici à Bois-Colombes, une semaine après. Ah, un Solex, ah tiens, il est à vendre, un Apex, 800 euros. L'Apex est à vendre, tiens. D'accord. Le 3800 Apex, tu vois, c'est marqué Apex Hungaria, voilà. Fabriqué en Hongrie. Une 50V, motobécane 50V. Bien préparé, un gros kick moteur. Pas d'origine, mais voilà, préparé. Ah, tiens, une MBK Swing. Une Peugeot bien custom, bien préparée. Voilà. Une Peugeot Fox aussi préparée. C'est juste là. Tu vois la prépa de dingue. On sent que c'est bien préparé. Voilà. Un seul avec 3800. Un autre 3800 de 73. Voilà. Un seul avec 3800 et un autre 3800. Le club des Solexistes, ils sont là. Motobécane, oui, tiens. AV 49, ok. Une AV 49 qui est juste là. Ah, et là, on est sur une Zundapp. C'est la première fois que je vois une de près. Zundapp XF 17 Super, voilà. Zundapp. J'ai jamais entendu parler de cette marque, mais c'est la première fois que je vois une Zundapp de près, tu vois. Zundapp, voilà. Bon bah les passionnés, il y a encore des Solex ici, voilà, donc on a deux Solex 5000, voilà, qui sont tous les deux de 1971 comme le mien, voilà, pour rappel, pour connaître celui de 71, déjà il n'y a pas de nervure sur le montant de selle, le hauban de selle, pardon, le hauban de selle, il y a la manette de décompresseur qui est en acier et pas en plastique, et sur le guidon, il y a un trou de câble, enfin de gaine de frein qui n'est pas exploité, ou gaine d'autre chose qui n'est pas exploité, et c'est un guidon qui est emprunté du flash, voilà, du Solex flash, la mobilette à cardan Solex, voilà, donc déjà ce Solex 5000 bleu atoll dans son jus, voilà, 1700, voilà, Solex 1700, voilà, on reconnaît aussi la caractéristique de la culasse oblique du 1700, et le deuxième Solex 5000, bon la couleur n'est pas d'origine, mais elle est sympa, moi j'aime bien la couleur, voilà, aussi de 1971, voilà. Voilà les Solex à part que je te montre sur l'ensemble des machines où je t'ai montré en vidéo. Bon ben voilà les passionnés, je t'ai montré l'essentiel des machines en exposition ce dimanche 22 septembre matin, voilà, puisque l'après-midi sera consacré à la balade. Et donc on continue sur cette vidéo, et ce sera très certainement par la suite la balade. Allez, on continue. Bon ben voilà, ça y est les passionnés, on va démarrer la balade en direction du château de Versailles, voilà. Donc on va enfiler notre casque et je vais vous montrer le départ. Allez, c'est parti, let's go. Les participants sont chaud bouillants là et ils font aussi chauffer les moteurs.
Voilà. Chaud bouillon pour participer. La majorité a enfilé leur casque. Alors cette année, il y a un peu plus de Solex. C'est une bonne chose. Voilà. On est, si je vais dire, bah on est 8 Solex avec le mien. Il y a 3 Solexistes. Donc ce matin, je vais monter le 2 Solex à 1000. Plus 4. Même 4, 1, 2, 3, 4. 4 Solex en plus. Plus moi. Plus moi avec mon Solex à 1000. Ça fait minimum 8 Solex. Voilà. Minimum 8 Solex. Je vais les accompagner comme ça pour être au même rythme. Voilà. Un même rythme. Ah, bah oui. Il y a Dom là qui va donner des consignes. Hop. Itinéraire, on a des radars, donc faites gaffe. Ah. Ouais, voilà. Respectez les vitesses en Solex. Il y en a qui tombe en face, bien sûr, vous ne faites pas la troupeau. Hein. Vous arrêtez sur le côté. Faites pas un bloc, on s'arrête plus. Voilà, toujours s'arrêter. On a un camion d'assistance. Normalement, sur le papier que je vous ai donné pour l'itinéraire, vous avez le camion d'assistance, vous avez mon numéro. D'accord ? Voilà. S'il y en a qui sont embêtés, c'est bien, il y a un camion d'assistance, on pourra changer la machine dedans si besoin. Voilà. Donc, c'est une balade. Hein. On est cool, cool. Voilà, cool, cool. C'est bon pour tout le monde. Cool, cool. Vous, là-bas, c'est lui qui fait la Magnum. Avec la Magnum. Jaune et bleu, ouais, ok. Donc, il vous rapatriera à chaque fois, d'accord ? Et c'est qui le premier ? C'est moi le premier. Ok. Versailles, vous prenez la route. Maintenant, vous avez le plan. Les numéros, s'il y a quoi que ce soit. Ça marche. Allez, let's go, c'est parti. Normalement, il y a une voiture balée. Direction Versailles avec un Renault Master comme véhicule d'assistance. Allez, c'est parti. On y va. Putain, c'est chiant. Casse-couille, je vais pas se démarrer ce con. Mon moteur noyé, toi.
droit, va tout droit. Ah ouais, mais j'ai le moteur noyé, il va pas démarrer ce con. Ah bon? Oh putain, c'est casse-couille. Chiant. J'essaie de le relancer, mais bon. Bon bah les passionnés, malheureusement petit couac de démarrage pour la balade pour moi. Le Solex a fait les siennes, j'ai démarré au feu et puis après plus rien, ça a mal démarré. J'ai mis 10 minutes avant de pouvoir le démarrer, je me suis dit je vais prendre l'itinéraire. Mais bon, comme je suis par l'Île-de-France, très compliqué pour retrouver le chemin. Impossible, j'ai tourné en rond, je suis allé jusqu'à la Défense, le quartier de la Défense, près de Paris. Et puis finalement, bah, j'ai préféré rebousser le chemin et revenir ici, place de la Renaissance, à Bois-Colombes, voilà. Donc du coup, bah, j'attends que tous les mobeurs et les Solexis reviennent de balade pour filmer leur arrivée. Et puis moi, j'en ai profité pour charger mon Solex dans la morgue, prêt à partir. Bon bah, je vous montrerai la conclusion de la vidéo à l'arrivée des mobeurs et des solexistes et je vous montre ça. Salut les passionnés, c'est le retour des premiers participants. Voilà. Hop là, pas eu sur un texte. Regardez. Oui, le panier et les balles. Voilà, les premiers participants qui reviennent là. Ça revient, ça revient. Voilà, notre retour de participants, les solexistes. Voilà, la billette. Voilà. Encore. Pour les participants de retour, ça arrive, ça arrive. Voilà. Ça continue à arriver là. Ça continue d'arriver. La petite Cali, voilà, ça arrive. Ah, ça y est, les partitions reviennent. Voilà. Ça revient, ça revient. Ça reprend sa place. Voilà. Alors, encore d'autres Solex qui arrivent. Voilà. Alors, ça s'est bien passé? Ah, super. Bah, franchement, t'as eu un souci. Bah oui. Bah oui. Bah oui. C'était dès le début, non? C'est après, comment dire, c'est après le stop. J'ai coupé le moteur. J'ai voulu démarrer, mais le moteur, je pense qu'il devait être noyé. J'ai eu du mal à le lancer, et seulement au bout de 10 minutes, j'ai pu démarrer. Mais quand même, au bout de 10 minutes, eh ben, tout le monde était parti. Alors moi, je suis parti dans des endroits, je sais pas où, et du coup, bah, je connais pas l'Île-de-France. Alors, je suis allé en direction de la Défense, je me suis perdu, et puis finalement, bon, j'ai dit, je fais demi-tour. Ah, voilà. Donc, bah, du coup, je suis pas venu, quoi. Je suis pas venu. Voilà. Pour une première, ouais. Pour une première, on va être super. Bon ben voilà les passionnés, ça y est, la majorité des participants sont revenus sur la place de leur Renaissance à Bois-Colombes, voilà. Il est temps pour moi de me rentrer, puisque j'ai un peu moins de 4 heures de route en roulant tranquillement. J'ai très peu d'autoroute, je prends principalement de la route, parce que l'autoroute ça commence à coûter assez cher quand même. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo, laissez un pourboire si vous appréciez mes vidéos, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.